Sahar Khalifa. L'histoire commence avec la naissance d'une fille dans une famille palestinienne à Nablus. Et comme toujours, la nouvelle a été mal accueillie. Parce que Sahar était la cinquième fille consécutive. Trois autres filles naîtront encore par la suite. C'est dans cette triste ambiance que j'ai compris le sens de mon existence et ma valeur dans ce monde. J'ai appris aussi que j'appartenais à un sexe inutile et inférieur. On me disait souvent que je devais m'habituer à obéir et à respecter les ordres dans les moindres détails de ma vie. Pour échapper aux prisons, je me suis réfugiée dans la lecture, l'écriture et la peinture. Je me souviens bien d'un tableau intitulé « Derrière les murs » que me représentait à cette époque de ma vie et qui résume ma vision du monde. Ce tableau montre une adolescente allongée sur le ventre dans un jardin entouré de murs. Ma mère est celle qui s'est le plus opposée à ma révolte et qui a fédéré contre moi les membres de ma famille. Elle a juré à plusieurs reprises d'avoir recours à la violence. Après de nombreux échecs, elle m'a finalement envoyée dans une école privée de Jérusalem dirigée par des religieuses très autoritaires. Elle aussi en échouait, comme ma mère. C'est pour cette raison que ma famille m'a mariée de force, ce qui m'a brisé le cœur mais n'est pas entamé ma détermination. Malgré la souffrance et la peine, mon mariage a eu deux conséquences positives. La naissance de deux filles belles qui m'ont rempli d'émotion et m'ont réchauffé le cœur, et la possibilité de consacrer tout mon temps et toute mon énergie à la lecture et au portrait odissa. Mon mariage, un terrible échec, a fait souffrir mes deux filles, ma famille et moi. La maison d'édition d'Al Ma'arif au Caire m'a sauvé la vie. J'ai reçu une lettre de son directeur qui voyait en moi une grande romancière. J'ai voulu le croire de tout mon cœur. J'en avais besoin. J'ai commencé à écrire régulièrement après la défaite arabe de 1967 et après des tentatives secrètes à l'insu de mon mari, j'ai réussi à écrire un roman qui a été accepté par la maison d'édition. C'est ainsi que j'ai trouvé ma voie. J'ai tourné une nouvelle page de ma vie à l'âge de 3-2 ans quand je me suis inscrite au département de littérature anglaise de l'université de Birzeit. Au cours de la troisième année, j'ai entamé une réflexion sur moi-même et essayé de trouver un sens à ma vie. J'ai interrompu mes études pendant 12 semestres. J'ai écrit un roman intitulé « Chronique du figuier barbare » qui a connu un vif succès. Dans ce roman, j'ai essayé, en m'inspirant de faits réels, de raconter la vie et l'histoire de la société palestinienne sous l'occupation. J'ai décrit le romantisme révolutionnaire tel qu'on l'a vécu malgré l'occupation et l'instabilité. Ce que j'ai découvert dans ce monde des humains m'a fortement choquée. J'ai découvert la domination masculine et constaté que les femmes se trouvent en état d'infériorité. Le roman « La foi de Tournesol » a connu un énorme succès. Il décrit le choc entre la révolution et la réalité présente. Durant mes années d'études et de travail à Birzeit, j'ai écrit chronique du figuier barbare, la foi de Tournesol et journal d'une femme érielle. J'étais encore jeune et immature. Au début de l'année 1980, j'étais complètement épuisée. Je cherchais le changement dans ma vie. Mes filles avaient obtenu leur baccalauréat et étaient parties à l'étranger.
J'ai quitté l'université de Birzeit pour l'étranger et n'ai pas regretté ce choix. J'ai consacré mon temps à la recherche pour mes études, me suis mise en quête d'un havre de paix. La première intifada a éclaté en 1987. J'ai quitté les États-Unis quelques jours plus tard et je suis rentrée en Cisjordanie. Ce dont j'ai été témoin, visant froid dans le dos, voir des femmes et des enfants se battre et être battus dans les rues par l'occupant. J'ai vu et entendu des histoires de sacrifice et d'héroïsme telles qu'on les lit dans les livres. Les femmes prouvent au monde qu'elle n'est pas quantité négligeable, qu'elle a un cœur, un cerveau, des sentiments et une vie conscience révolutionnaire. Sous le coup de ces événements, j'ai écrit le roman L'impasse de Bab Saha. Plus tard, ce furent les accords de Madrid, puis ceux d'Oslo, des véritables pièges qui m'ont apporté qu'une solution et la révolution s'est arrêtée. À cette époque, j'ai écrit Almirat, l'héritage. Ce roman raconte l'histoire d'un peuple vaincu à tous les niveaux. Les défaites d'un chef dans les révolutions, la défaite d'un père de sa propre famille et la défaite des enfants avec la perte de leur monde et de leur patrimoine. Après le roman L'héritage, j'ai publié deux autres romans, Une image, une icône et un ancien testament et Un printemps très chaud. Et j'en écris un troisième actuellement. Dans ces trois romans, j'ai continué à décrire la réalité politique, sociale et psychologique actuelle d'un peuple opprimé qui lutte contre le destin. Dans ce travail littéraire, je dessine ma propre image et l'image des autres. Image en miroir. Quand j'examine tout ce que j'ai écrit, je me demande si c'est l'œuvre de la petite fille qui a commencé derrière les murs et comment j'ai écrit tout cela. La vérité est que je ne suis jamais sortie de cette prison parce que celle-ci est mon cœur, mon éducation, mon histoire. Je n'en suis pas sortie, mais je rêve d'en sortir un jour.